Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau bibliogrill sobrement intitulé « L'amour à la Bible, aou tcha-tcha-tcha ». N'hésitez pas, comme toujours, à nous poser vos questions en direct sur Facebook ou sur notre page, de notre site BPI Pro. En ce 14 février, la thématique amoureuse et sa rencontre avec nos questionnements professionnels s'est en effet imposée à nous. Pourquoi les bibliothèques sont-elles un lieu de rencontre privilégié entre lectrices, entre bibliothécaires et lectrices? Comment le vivent-elles et pourquoi est-ce intéressant d'en parler? Ce sont les questions que nous allons poser à Antoine Torrens, directeur des bibliothèques de Compiègne, mais aussi engagé dans le facétieux et toujours pertinent groupe d'intérêt spécial Nouveaux bibliothécaires de l'IFLA. C'est ce groupe qui avait mis ce sujet ô combien sérieux sur le devant de la scène lors du congrès de l'IFLA en 2019 à Athènes. Bonjour Antoine. Bonjour Elise. Et merci d'être là avec nous. Alors, première question. Tu as disparu, mais j'espère que tu m'entends. Eh bien, moi, je ne t'entends pas. Là, je t'entends. Pourquoi c'est intéressant de parler d'amour et de rencontres amoureuses en bibliothèque? Alors, comme tu l'as dit, c'est une réflexion qui est née au sein de l'IFLA et qu'on a commencé en 2019 à l'occasion du congrès d'Athènes avec le groupe des nouveaux professionnels et la section management et marketing. Et en fait, ça faisait suite à une autre réflexion du même genre qui s'appelait Library and Fashion, qui était sur la manière dont les bibliothécaires s'habillent. Et cette fois-ci, c'était donc qu'est-ce que c'est la place de l'amour en bibliothèque? Ça s'est appelé Library Love Stories, et donc on a fait une enquête, on a fait des interventions. Et la démarche de ces unités de l'IFLA, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire il s'agit d'étudier des sujets qui ont l'air futiles au premier abord et qui en fait sont des sujets très sérieux. Et là, pourquoi c'est un sujet sérieux? Parce qu'en fait, ça pose une question qu'on se pose beaucoup en bibliothèque. Est-ce que les bibliothèques, c'est des lieux de vie? Et en fait, ça fait quoi, 15-20 ans qu'on réfléchit sur la bibliothèque troisième lieu. Le mémoire de Mathilde Servet sur la question, c'était en 2009. Et on n'a toujours pas vraiment répondu à cette question. Est-ce qu'une bibliothèque, c'est un endroit... Est-ce que c'est un lieu de vie où les gens peuvent se rencontrer? Ou est-ce que c'est un endroit avec seulement des collections? Et on parle d'amour, mais est-ce si simple à définir, à différencier une rencontre amoureuse ou du harcèlement en bibliothèque comme ailleurs? C'est une question super compliquée. Et en fait, il y a deux manières de comprendre le mot amour. Et nous, en tout cas, on n'a pas résolu cette question. On s'est juste rendu compte qu'il y avait un problème conceptuel à ce niveau-là. Mais en fait, tu vas voir que c'est un problème à l'échelle de la société et quasiment à l'échelle du monde entier. Quand il y a une relation amoureuse, est-ce que c'est pareil qu'être amoureux? En fait, souvent, quand on est amoureux, ça dépend des âges de la vie, ça dépend de sa situation, mais on est amoureux soi-même. Et donc, il y a de l'amour unilatéral. Et est-ce que quand vous êtes amoureux de manière unilatérale, c'est de l'amour? A priori, on dirait oui. Mais s'il y a un rejet de l'autre côté, est-ce que c'est encore de l'amour? Bah, c'est une question de point de vue. Et il y a pas mal de gens dans nos interlocuteurs qu'on a eus à ce moment-là qui nous ont dit « bah non, c'est pas de l'amour ». Parce que pour eux, l'amour, c'est beau, l'amour, c'est propre, l'amour, c'est génial. C'est un terme qui est forcément positif. Et du coup, quelqu'un qui est amoureux d'une personne, qui de manière irrationnelle, de manière excessive, et en fait qui va vers le harcèlement, voire pire, on va considérer que non, c'est pas de l'amour. Moi, je suis plutôt de l'autre école, de considérer que bah si, c'est un excès de l'amour, c'est de l'amour mal contrôlé, c'est de l'amour mal géré, mais ça rentre quand même dans l'amour. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça, ça dépend des pays, mais en fait, même à l'intérieur de notre pays, ce n'est pas quelque chose de complètement consensuel. Non, je te le confirme, mais en tout cas, c'est une limite intéressante à discuter en général et pour nos métiers aussi. Et dans quelle mesure peut-on considérer que la bibliothèque est un lieu privilégié de rencontre? Donc, tu as parlé de troisième lieu, mais toutes les bibliothèques ne sont pas troisième lieu. Et est-ce que, de ce point de vue-là, toutes les bibliothèques se valent? C'est une question... Alors, la réponse, c'est non. Toutes les bibliothèques ne se valent pas. Je pense que ça fait longtemps qu'on essaie de faire des bibliothèques des lieux de rencontre. Et je pense qu'il y a un peu deux réponses à ça. D'abord, une bibliothèque, c'est un endroit où les gens ne viennent pas forcément pour rencontrer d'autres gens. Et en même temps, c'est un endroit où il y a d'autres gens qu'on croise, qu'on ne rencontre pas forcément complètement, mais qu'on croise. Et du coup, à ce titre-là, c'est un espace où souvent... un lecteur, une lectrice va croiser des personnes qu'il n'aurait peut-être pas rencontrées dans son milieu social, professionnel, familial. Mais il y a une chanson de Dalida, je crois, où elle dit « Pour ne pas vivre seule, moi je vis avec toi et je suis seule avec toi ». Et une bibliothèque, c'est souvent un peu ça, c'est un endroit où on est seul avec les autres. On va chercher ses collections, on va lire ses journaux, on va, je sais pas, regarder des vidéos, on va faire différentes activités, mais on ne va pas forcément interagir activement avec les autres. Et l'autre chose, et c'est lié au fait que le paysage culturel, mais en fait, c'est largement le paysage du divertissement et des industries culturelles qui est très morcelé. On a des pratiques culturelles qui sont très individuelles, on va vouloir le livre qu'on aime, le film qu'on aime, la musique qui nous plaît. Et en même temps, la bibliothèque, elle est là pour tous. Alors, est-ce qu'elle est là pour répondre aux besoins de chacun, pour faire se rencontrer les gens? Bah, c'est une question, je pense, qui mérite d'être posée. Mais du coup, cette question de la rencontre en bibliothèque, elle pose cette question-là. Une réponse que je donne souvent, c'est le jeu de société. Il y a de plus en plus de bibliothèques qui organisent des collections de jeux de société et des animations autour du jeu de société. Moi, j'y crois beaucoup, pour une bonne raison, c'est qu'à Compiègne, c'est une des activités qui nous permet le plus facilement de mettre autour de la table des gens de milieux sociaux et culturels très, très différents. Et du coup, de faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés. Et lorsqu'on a récolté les réponses, en fait, quand on a cherché des histoires d'amour en bibliothèque, je vais en parler un peu plus tard, mais on a eu des réponses, mais les gens qui se sont rencontrés en bibliothèque, qui sont tombés amoureux en bibliothèque, qui se sont mariés ensuite, parfois dans la bibliothèque, on a quelques anecdotes comme ça, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et donc, à mon avis, la réponse, c'est qu'une bibliothèque, c'est un lieu de coexistence. Mais aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas vraiment souvent un lieu de rencontre. Mais on peut travailler à ce que ça fait partie de notre boulot, à mon avis. Un dernier point, c'est que là, pour l'instant, j'ai beaucoup parlé des bibliothèques publiques. Et en fait, les bibliothèques universitaires, c'est très différent. C'est-à-dire, qui n'a jamais dragué en bibliothèque universitaire ? Et il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait toi, tu n'as peut-être pas connu ça, on avait les comptes Spotted dans les universités, c'était très à la mode, où du coup, c'était des comptes Facebook où on pouvait poster de manière anonyme. Les étudiants et les étudiantes postaient voilà, qu'ils avaient repéré quelqu'un qui leur plaisait, qui les avait vus à tel endroit. Et en fait, ce qui était fascinant, c'est qu'il y a eu plein d'articles à l'époque dans la presse autour de cette mode des comptes Spotted sur Facebook. Maintenant, je pense que ça existe moins, mais il y a peu d'articles qui ont relevé ce qu'on revoyait dans les comptes Spotted. En tout cas, moi, dans mon université, c'était ça. Quand je travaillais en bibliothèque universitaire, la moitié des choses, c'était la BU, en fait. Parce que où est-ce que les gens s'observent, passent la journée à se regarder, à essayer de s'approcher? Bah, en fait, c'est la BU. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la légende de la carte sur la lampe à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est une légende urbaine, j'ai jamais réussi à savoir si quelqu'un avait déjà vraiment fait ça, c'est-à-dire que la tradition racontait qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève, quand on est célibataire et qu'on est un peu ouvert, on met sa carte sur la lampe et ça indique aux autres qu'il y a éventuellement moyen. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si ça a vraiment existé comme règle, moi je l'ai appris longtemps après avoir arrêté de travailler là-bas, mais voilà, les bibliothèques universitaires, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de drague, et c'est des lieux où des histoires d'amour naissent, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire de le raconter? Qu'est-ce que ça, comme cela a été fait à Athènes? Alors, ça pose un certain nombre de questions. Nous, on s'attendait à avoir plus de réponses sur des histoires qui sont arrivées au public, et on s'est aperçu de deux choses. D'abord, que les bibliothécaires avaient envie de raconter des histoires d'amour qui leur étaient arrivées à eux, parfois avec des collègues, parfois avec des usagers, des usagères. Mais aussi qu'en fait, les bibliothécaires, ils ne sont pas tellement au courant de la vie privée de leurs usagers. Parfois, en bibliothèque municipale, on est peut-être un peu plus au courant, mais en bibliothèque universitaire, on vit quand même largement dans l'ignorance de ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des lecteurs et des lectrices. Et en fait, c'est normal, parce que ça relève de la vie privée. Et puis, on a eu des réponses étonnantes, notamment, je me rappelle d'un bibliothécaire, je ne sais plus de quel pays il était, qui voulait absolument nous raconter cette histoire, et qui nous a raconté une histoire d'amour, qu'il était tombé amoureux d'une lectrice, qui lui avait parlé. Et en fait, en lisant ce qu'il nous a écrit, moi j'étais hyper mal à l'aise, parce que c'était vraiment un cas ultra typique de harcèlement, alors pas de harcèlement hard, mais quand même, il était complètement sorti du cadre de son rôle de bibliothécaire. Ça m'étonnerait que l'usagère à ce moment-là l'ait vraiment bien pris, en tout cas d'après ce qu'il racontait. Et c'est ce qu'on disait au début sur la question de l'amour unilatéral. En fait, souvent, on ne s'en rend pas compte quand on harcèle. En tout cas, la plupart des harceleurs, éventuellement des harceleuses, ne se rendent pas compte qu'il y a du harcèlement. Pour eux et pour elles, c'est de l'amour. Où est-ce qu'on met la barrière? Il y a une vraie question d'éthique professionnelle qui n'est pas évidente, notamment dans des lieux où la barrière entre le bibliothécaire et l'usager n'est pas forcément si évidente à placer. Et même au sein, même en termes de management, au sein d'équipes, ça peut aussi être une question, hein, l'amour entre collègues. C'est une très grande question. Et j'allais dire, plus la ville est petite, plus vous avez des chances que des gens se mettent en couple en fait, au sein d'une équipe. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime de tomber amoureux au sein de son travail. Après, une fois qu'on est dans une situation de couple, je pense personnellement que ce n'est pas sain du tout. Mais de la même manière qu'avoir des relations familiales ou amoureuses au sein d'une équipe, je pense que ça perturbe tout. Pas forcément entre les deux personnes qui peuvent peut-être réussir à garder des relations professionnelles, mais ça crée quelque chose vis-à-vis du reste de l'équipe qui est très compliqué à gérer. Et en termes de management, je pense que beaucoup de managers de bibliothèques ont l'expérience que c'est très compliqué de gérer des relations amoureuses. Parce qu'en fait, on est complètement hors du cadre professionnel. On est dans un monde professionnel qui veut être dépassionné. Normalement, on n'est pas censé s'énerver, on n'est pas censé... on est censé garder une certaine rationalité. Et le principe même de l'amour, c'est l'irrationalité. Donc, on est forcément dans quelque chose qui n'est pas professionnel et qui, du coup, au niveau professionnel, se gère de manière humaine et en même temps de manière administrative. Mmh. Compliqué. Et à ton avis, est-ce que, on en a parlé de cette limite difficile sur le harcèlement, est-ce que les bibliothèques sont bien armées pour lutter justement contre le harcèlement? Alors justement, on s'est posé la question assez tôt dans notre réflexion en 2019, et la réponse, a priori, c'est plutôt oui. Alors pourquoi je dis c'est plutôt oui? Parce que toutes les bibliothécaires qu'on a interrogées sur le fait que justement, est-ce qu'il y avait des usagers qui les draguaient, est-ce qu'il y avait du harcèlement de la part des usagers, nous ont dit oui, ça peut arriver, il peut y avoir des débuts de drague, des choses comme ça, mais il y a quand même une distance qui existe, qui est mise et qui fonctionne en fait entre le bibliothécaire et l'usager. Et par ailleurs, en général, sur ces sujets-là, la hiérarchie protège plutôt bien et les équipes font corps. Et alors peut-être qu'il y a des cas qu'on ne connaît pas ou des expériences dont on n'a pas eu vent, mais les retours qu'on a eus en tout cas à ce moment-là, c'est non, en fait, nos structures, elles sont plutôt bien adaptées pour lutter contre ça. Pour lutter contre du harcèlement au sein même des équipes, peut-être que c'est plus compliqué, mais sur le rapport entre usagers et bibliothécaires, on est plutôt bien armés. Et je dis ça notamment parce que certaines professions sont beaucoup moins armées. Je parle régulièrement de ces questions-là avec les caissières du supermarché qui sont extrêmement exposées aux abus récurrents, aux insultes, à la drague lourde des clients. En bibliothèque, on a quand même beaucoup plus la possibilité de virer quelqu'un s'il abuse, de l'exclure, d'agir en tout cas collectivement. Et en tout cas, l'impression qui nous avait été communiquée, c'est que le management protégeait les usagers, protégeait les bibliothécaires suffisamment, en tout cas dans ce domaine-là. Ce qui est plutôt rassurant, mais dans une profession qui fonctionne plutôt bien parfois sur certains points. Et l'institution, le poids de l'institution permet aussi de juguler peut-être. Exactement. Eh bien, merci Antoine, on arrive au terme du temps qui est imparti à notre dialogue et ça va bientôt être le moment pour les lecteurs, enfin les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis de nous poser des questions. Avant cela, je profite juste de cet échange justement avec Antoine qui appartient au groupe d'intérêt spécial, donc Nouveaux Bibliothécaires, pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 24 février pour poser vos candidatures aux sections de l'IFLA. La BPI peut vous parrainer, tous les détails sont sur le site BPI Pro. Et je rajoute que pour avoir une large vue sur le métier, pour vraiment avoir des idées avec beaucoup de recul sur aussi l'avenir de notre profession et de tous les aspects de notre profession, que ce soit les bâtiments, que ce soit les collections, que ce soit les ressources numériques, que ce soit les livres anciens, il n'y a pas beaucoup mieux que l'IFLA. Et que de manière générale, les associations professionnelles locales, nationales et internationales, pour moi, c'est quand même le meilleur moyen, en prenant beaucoup de plaisir, c'est-à-dire en rencontrant beaucoup de gens passionnants et très engagés dans leur métier, d'être au contact de toutes les problématiques professionnelles les plus brûlantes. Et c'est ce qu'on aime, les problématiques brûlantes sur le Bibliogril, auxquelles tu nous fais l'amitié de participer. Alors, nous avons eu quelques problèmes techniques avant l'intervention, et je crains d'être un peu coupée de mes collègues pour ce qui est de relayer vos questions. Elles vont bientôt arriver. Et donc, je vais continuer à poser les miennes. On a parlé donc de la bibliothèque lieu de vie et en même temps du poids de l'institution. Donc en fait, toi, dans l'analyse que vous avez faite, dans les histoires que vous avez racontées, vous avez pu voir que cette évolution des bibliothèques vers un rapport moins institutionnalisé n'empêchait pas un maintien d'une barrière qu'on ne trouve pas dans d'autres types de lieux d'échange. Tu citais les supermarchés. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est peut-être quelque chose qui va évoluer ou qui évolue. Et puis, moi, je parle du point de vue de bibliothèques soit universitaires, soit de bibliothèques de grandes villes. C'est sans doute différent dans des bibliothèques qui fonctionnent avec beaucoup de bénévoles. Et on sait que dans les bibliothèques rurales françaises fonctionnent avec beaucoup de bénévoles. Et c'est très chouette. Peut-être que la barrière est moins forte. Après... lors des journées sur la diversité en bibliothèque qu'on avait organisées en partie à la BPI, en partie à l'ENSI il y a un mois, Malik Diallo, le président de la DBGV, avait dit quelque chose que j'avais trouvé très juste à propos de l'accueil. Il avait dit, mais en fait, on pose l'accueil de manière binaire comme un truc du bibliothécaire face au public. Ce n'est pas faux en soi, mais il avait ajouté, oui, mais en fait, un des premiers accueils en bibliothèque, c'est l'accueil de l'usager par les autres usagers. Et on revient sur ce que je disais au début, sur le fait que dans une bibliothèque, on croise des gens, on les rencontre pas forcément, mais en tout cas, on les voit et on les côtoie d'une certaine manière. Et du coup, la barrière, elle est aussi à ce niveau-là. Elle est entre le bibliothécaire et l'usager, entre l'institution et le citoyen ou la citoyenne. Mais en fait, il y a aussi différentes barrières qui sont beaucoup plus difficilement perceptibles. Je crois qu'à la BPI, c'est un peu votre spécialité d'analyser ça aussi. Entre les usagers et les usagères, entre les différents groupes d'usagers, entre les usages. Et en fait, dans le travail sur comment fonctionne une bibliothèque, il y a, je pense, tout ce pan qui est un peu inexploré des relations entre les différents usagers. C'est pas facile, parce que ça relève en partie de la vie privée, voire de la vie intime. Mais il y a un peu ça à explorer. Et je dois dire que je suis assez déçue d'apprendre que l'histoire de la carte à la BNG, non, mais je sais pas, est une légende, parce que je trouve que c'était justement une façon très efficace de dire quand on veut être seul avec les autres ou peut-être moins seul grâce aux autres. Je ne sais pas si c'est une légende, hein. Peut-être que c'est vrai. J'attends des témoignages, si des gens qui suivent le Bibliogril d'aujourd'hui ont des idées précises sur la question, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est une légende urbaine parisienne? Ça m'intéresse. Je ferai remonter si on a la réponse. Alors, nous avons une question. Est-ce que la bibliothèque est un lieu sûr, justement, par rapport à ces questions aussi de genre ou d'orientation sexuelle? Ou plus sûr que le reste de la société? Alors, j'aurais tendance à répondre plutôt oui, pour une bonne raison, c'est que les analyses urbaines qui ont été faites, tu sais, autour de ponts, autour de squares, les analyses genrées qui ont été faites ces 10-15 dernières années dans certaines villes, pour montrer que certains lieux sont très excluants pour les femmes. Il y a eu des très bonnes analyses, je ne sais plus si c'est à Rennes ou à Rouen je crois, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. Ces analyses ont pas analyser les bibliothèques parce que les bibliothèques ne sont pas vécues par les urbanistes comme disons, des parties de l'espace public. Alors qu'en vrai, une bibliothèque, c'est largement comme une rue. On peut la traverser, on peut venir librement, sans s'inscrire. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, en fait. Mais c'est un espace public de ce point de vue-là. Et je ne crois pas me tromper en disant que le public des bibliothèques est très féminin. Ça dépend des endroits, évidemment. Nous, à Compiègne, on a notre public, que ce soit les gens qui répondent à nos enquêtes ou les inscrits, on est toujours au-delà de 60% de femmes. Je suppose que ça veut dire que c'est des lieux plutôt accueillants pour les femmes. Et du coup, plutôt sûrs. Mais il faudrait demander aux principales concernées. Pour la diversité de genre ou la diversité d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, c'est une question qui se pose. Je pense que c'est plus inclusif que bien des lieux, tout simplement parce que dans les collections, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans nos collections. Il y a des histoires d'amour entre hommes, entre femmes, il y a des personnes trans dans les collections, dans les romans. Au niveau des documentaires, on en parlait justement lors des journées de diversité, je ne suis pas sûr. Il faudrait... Mais en même temps, il y a beaucoup de questions de société qui sont traitées dans les documentaires. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu encore une approche vraiment analytique des collections de ce point de vue-là. C'est-à-dire où on n'a pas une surreprésentation de certains modèles, où on n'a pas une invisibilisation de certaines personnes, ou de certains types de personnes, ou de certaines catégories de la population. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Plus de crainte peut-être de l'effet prise de position que ça pourrait avoir dans le regard des élus ou du public. Et... Oui, c'est compliqué. On est toujours un peu à la limite du politique. On est dans un pays où on n'aime pas trop ranger les gens dans des cases. Ça a quand même du positif de ne pas trop le faire. Et en même temps, à un moment, il faut quand même être à l'écoute de ce que veulent les citoyennes et les citoyens et de ce qu'ils recherchent et de leur identité et de quel est le meilleur service qu'on puisse leur apporter, en fait, c'est ça. C'est toujours ce que je disais au tout début, c'est est-ce qu'on est dans la culture pour tous, dans la culture pour chacun? Bah, en fait, les deux. On a un peu évoqué la chose rapidement en parlant des BU, mais quel est le rôle des bibliothèques aussi dans les amours adolescents, dont on sait que les adolescents font partie des grands fréquentants des bibliothèques? C'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas dans quelle mesure... je pense que la bibliothèque, pour les adolescents et les adolescentes, est un peu un lieu comme d'autres, c'est-à-dire c'est un lieu où il fait pas trop froid, où on peut traîner, où on peut se rencontrer, mais un peu de la même manière que plein d'autres lieux. Je suis pas sûr qu'ils fassent la différence et que la bibliothèque ait une place spéciale de ce côté-là. En revanche, je pense qu'effectivement, elle peut avoir un rôle. Alors, je vais pas évoquer. Alors, c'est peut-être plutôt des post-adolescents, mais ça arrive de retrouver, je pense, dans les bibliothèques publiques ou dans les bibliothèques universitaires, des préservatifs dans les toilettes. Donc on sait qu'il se passe des choses dans nos bibliothèques et dans les toilettes de nos bibliothèques. C'est là aussi la limite de l'intimité, hein. On ne va pas voir ce que les gens font dans les toilettes tant qu'ils les laissent propres, hein, et qu'ils ne dégradent pas les locaux. Mais c'est compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête des adolescents. Moi, je n'ai pas de données sur le sujet. D'accord. Alors, on a une autre question qui rebondit sur les jeux de société, le rôle des jeux de société pour permettre à des gens très différents de faire connaissance. Et on nous demande quel jeu pour faire connaissance. Quel jeu? Alors, il y a un truc qui est pas mal, c'est que si vous regardez les jeux de société, la barrière des âges n'est pas du tout la même que dans le reste des collections. On se faisait la réflexion il y a 2 jours avec nos collègues à propos de la mise en place d'une ludothèque, que en fait, nous, la barrière de l'âge, elle est à 13 ans. C'est à partir de 13 ans qu'on peut emprunter des collections adultes dans notre bibliothèque, dans nos 3 bibliothèques, à vrai dire. Et en fait, pour les jeux, ça ne marche pas trop, parce que la plupart des jeux, il y en a qui sont un peu complexes, donc qui sont plutôt recommandés à partir de 12-13 ans. Mais en vrai, si vous avez 9 ans et que vous êtes passionné de jeux de société, vous pouvez jouer à ces jeux-là. Il n'y a pas, si vous voulez, les mêmes barrières que pour la fiction, où il peut y avoir de la violence, du sexe, des choses comme ça. La barrière, déjà, au niveau des générations, elle n'est pas la même. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que nous demandent les gens quand ils viennent à nos animations jeux de société. Un de leurs buts, c'est d'avoir une vie de famille et, du coup, de pouvoir jouer avec des enfants qui ont des âges différents. Donc, et du coup, c'est aussi une occasion de jouer entre parents et enfants, du coup, adultes, enfants, ce qui n'est pas évident autour d'autres supports culturels. Les romans pour adultes, ils ne se partagent pas avec les enfants. Les romans pour enfants, ils ne sont pas forcément adaptés aux adultes. Bref. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Ça, c'est au niveau des générations. Au niveau des milieux sociaux, quel jeu? C'est une bonne question. Il y a parfois des jeux qui sont quand même un peu faits pour les profs de maths. Certains jeux très complexes, ou parfois avec énormément de choses à retenir sur des cartes. Je pense à un jeu comme Terraforming Mars, qui est un jeu que moi j'aime beaucoup. Et je me suis dit il y a quelques temps que c'était quand même peut-être un jeu un peu intello, où il y a beaucoup d'informations à retenir. Et parallèlement, il y a un jeu comme Challengers, qui je crois est à la sélection de l'As d'Or, donc on devrait savoir dans quelques semaines s'il a un prix au Festival du jeu de Cannes, qui est un jeu qui peut se jouer à beaucoup, donc qui peut être très collectif, où il y a des vraies interactions, et surtout on change de partenaire de jeu un peu tout le temps. Il y a un côté quasiment speed dating, et en même temps, les règles du jeu sont assez simples, et on peut gagner, il y a de la chance, donc on peut aussi gagner sans être forcément prof de maths. Sans être très très calculateur et beaucoup réfléchir à ce qu'on fait. Et du coup, ça, je trouve que c'est un jeu qui est plutôt inclusif, qui permet de faire jouer pas mal de gens assez différents. Mais j'y ai joué qu'une seule fois. Je vous dirai ça dans quelques mois, quand j'aurai peut-être un peu plus testé. Tu parlais de speed dating. Est-ce que la Tinder bibliothèque peut être un avenir désirable, nous demande-t-on, et surtout est-ce qu'on doit encourager ou non la rencontre? C'est qu'il y a des animations qui tendent vers ça dans certaines bibliothèques, même les annonces pour converser en langue étrangère, non pas en groupe mais à deux, etc. Enfin, et des rencontres autour de livres. Est-ce qu'on en, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, une des premières choses que j'avais fait quand j'étais en stage de fin d'études au Japon, c'était d'organiser la Saint-Valentin de l'Institut français de Kyoto, qui est un gros événement. Les Français sont très attendus sur l'amour, hein. Donc, la Saint-Valentin de l'Institut français, c'est un vrai moment qui était un moment important dans la vie de l'Institut, et où des Japonais et des Japonaises venaient un peu dans l'idée de rencontrer, de faire des rencontres. Alors, c'était général à l'Institut, c'était pas que la bibliothèque. Pour les expériences de book dating ou de rencontres autour de livres, j'avoue que j'en ai jamais organisé, j'ai jamais participé. Mais pareil, je suis preneur d'expériences de bibliothécaires qui ont tenté ça. Moi, ça me semble intéressant. Après, faut voir comment on gère les cas de harcèlement. Mais justement, les bibliothèques sont pas un mauvais cadre pour que ce soit un peu géré, un peu contrôlé et un peu sûr pour les personnes. Et dernière question dans les quelques minutes qui nous restent et qui, je pense, rencontre aussi la question du harcèlement, qui est celle de l'éducation sexuelle. Quel est le rôle des bibliothèques dans l'éducation sexuelle, au sens où ça aussi pourrait empêcher le harcèlement? Donc, on pense aux zizi sexuels et d'autres livres qui peuvent circuler en bibliothèque. Ou même être... C'est une grande question, et surtout, je pense que c'est une question qui s'est beaucoup posée ces dernières années, qui va continuer de se poser sans doute encore plus. On voit qu'aux États-Unis, en ce moment, sur ces questions-là, c'est très, très tendu, qu'il y a des États qui interdisent des livres d'éducation sexuelle. C'est compliqué. En fait, ma position, ça serait celle de la Charte de l'UNESCO sur les droits de l'enfant, où, en fait, une bibliothèque, c'est aussi un lieu des droits de l'enfant. Et du coup, c'est aussi un lieu d'émancipation par rapport à ses parents. C'est un lieu où on va peut-être découvrir à l'adolescence des choses dont nos parents ne nous auraient pas forcément parlé, et qui permet justement de s'ouvrir à autre chose. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est aux parents de contrôler un peu ce que leurs enfants lisent, ce que leurs enfants regardent. Nous, on met une barrière qui est la barrière de l'emprunt en bibliothèque, où les enfants ne peuvent pas emprunter tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'en fait, c'est très, très intéressant dans la société, cette barrière-là, de fait que la bibliothèque, c'est justement un espace à la fois où on ne va pas trouver n'importe quoi, et en même temps, on va trouver plus que ce qu'on va trouver chez ses parents. Et ça peut permettre justement à des adolescentes qui sont en questionnement, de trouver des ressources qu'ils n'oseront peut-être pas chercher sur Internet, ou qu'ils ne trouveront pas chez leurs parents. Et puis par ailleurs, ça peut aider aussi des parents à trouver des ressources qu'ils ne trouvaient peut-être pas forcément dans leur milieu familial ou dans leur milieu social. L'important, c'est de garder une certaine diversité de ressources, je pense. Moi, je suis plutôt de l'école de dire que les collections de bibliothèques, elles doivent aller très loin, qu'il faut se censurer le moins possible. Voilà, il faut respecter la loi, mais il faut le moins de restrictions possible au niveau des collections. C'est pas parce qu'une bibliothèque possède un livre ou un film qu'elle promeut forcément quelque chose, elle admet une certaine diversité dans certaines limites, et notamment dans les limites que fixe la loi, mais il faut aller le plus loin possible. Et après, il faut faire confiance à nos usagers et nos usagères. S'ils ne veulent pas lire le livre ou s'ils sont en désaccord complet avec ce que dit le livre, eh bien, ils le reposent sur l'étagère et puis on n'entend plus. Merci beaucoup Antoine. Et merci à notre équipe de régie pour son accompagnement et sa façon de gérer les aléas avec Maestria. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles au Bibliogrill. Le mois prochain, nous recevrons Julie Curien de la nouvelle commission Bibliothèque Verte de l'ABF. Nous vous souhaitons une très bonne journée et une très bonne Saint-Valentin. Au revoir. Au revoir.